Oui, nous sommes donc sur le site de l'ancienne usine Sklop. C'est une usine qui nous pose quand même problème parce qu'on considère que c'est une verrue dans le quartier et on aimerait la voir disparaître, abattre pour laisser place à un autre projet qui pour l'instant est étudié d'une façon beaucoup plus. Mais bon, pour l'instant, ce qui importe, c'est de voir disparaître cette ancienne usine. Les discussions avec le propriétaire sont en cours. C'est pas très simple comme c'est souvent le cas. Par contre, il y avait une urgence quand même. Sur le site, on voit qu'un premier bâtiment vient d'être abattu. C'est un bâtiment qui posait problème, un problème de sécurité. Ça avait posé vraiment des problèmes et faisait prendre des risques dans le voisinage. Et donc, nous avions envisagé, s'il le fallait, de prendre un arrêté de péril, ce qui a convaincu le propriétaire de procéder à son abattage. Voilà pourquoi ce bâtiment a été détruit immédiatement. Quant au reste de l'usine, comme je vous l'ai dit, c'est une discussion qui reste en cours, mais qui devra forcément aboutir dans les prochains temps.